Isa en maternelle présente Comment être aimé quand on est un grand méchant loup de Christine Noman Villemain. Un soir, trois énormes coups furent frappés à la porte de l'auteur. Si c'est le calendrier du facteur, je l'ai déjà, crie l'auteur. C'est moi, le grand méchant loup. Oh là là, encore vous, soupire l'auteur. Toujours vous. Bon, tu m'ouvres ou je passe par la cheminée? Ça va, j'arrive. Le grand méchant loup a un dossier très complet. Voilà, je vous préviens, je suis soutenu par mes copains. L'auteur l'interrompt. Quels copains? Depuis quand le grand méchant loup a des copains? Les copains du syndicat. La sorcière, l'ogre, le cauchemar, tous les méchants des histoires. On en a assez. Il faut que ça change. Mais vous voulez quoi exactement? On veut... Je veux être aimé. Aimé? Vous voulez être aimé? L'auteur est un peu embêté. C'est vrai, en y réfléchissant, tout le monde a le droit à l'amour, n'est-ce pas? Bon, je vais songer à votre problème, promit-elle en poussant le loup vers la sortie. Revenez demain. Réfléchissons. C'est un fait. Pour être aimé, il faut être gentil. Voyons, comment rendre un loup gentil? Les nuits des auteurs sont toujours agitées. Les personnages ne cessent de les harceler. Moi, prends-moi dans une histoire. Regarde comme je fais bien du skateboard. Moi, je vais prendre une 4 saisons avec des oignons grillés. J'ai la plus belle barbichette du monde. Je mérite d'être dans un livre. Je suis la plus belle. Au petit matin, l'auteur tenait la solution. Juste au moment du retour du grand méchant loup. Bon, alors, déjà, il va falloir se calmer, mon cher. Vous allez ressortir et frapper à cette porte avec délicatesse. Ça roule, ma poule, accepta le loup, plein de bonne volonté. Gratouna-t-il doucement. Entrez, asseyez-vous, prenez une tisane, un petit beurre. J'ai beaucoup réfléchi à votre demande et je crois que j'ai ma petite idée. Le truc, c'est de vous plonger dans un bain de douceur. Un bain ? Hurla le loup. Mais je suis propre, je me suis lavé l'année dernière. Non, le reprit l'auteur. Un bain de douceur, c'est... Vous allez voir. Installez-vous confortablement. Relaxez-vous. Ne pensez à rien. Vos paupières sont lourdes. Voilà. Écoutez la musique. C'est de l'opéra. C'est beau, non? C'est raffiné. Vous devenez un être civilisé. Vous n'entendez plus que la voix de la cantatrice. Vous vous sentez envahi par la tendresse. Oui, murmura le loup. C'est bien, continua l'auteur. Maintenant, je vais vous montrer quelques postures de yoga. Répétez après moi.
Le petit chaperon rouge est mon ami. » Docilement, le carnivore répéta « Petit rouge, mon ami. » Les mémés ne sont pas dégoûtés. « Les mémés, pas goûtés. » « Voilà, vous êtes relaxés. Vous n'avez plus envie de mordre. » L'auteur sortit ensuite son nécessaire à manucure et commença à limer les griffes de la terrible bestiole. « Regardez comme c'est plus joli quand c'est court. C'est moins agressif, n'est-ce pas ?»« C'est sûr, » admira le loup. « Et puis, j'aime bien cette couleur. »« Vous vous sentez comment ?»« Je me sens roux-doudou. » C'est parfait. Alors, la dernière étape, l'étape dite du lapin chassé. Vous m'excuserez, je vais prendre quelques précautions. Vous êtes prêts, mes petits amis? Le loup fut héroïque, absolument stoïque. L'auteur était ravi. « Voilà, vous voyez, mon cher ami, à force de volonté, vous avez réussi. Il ne me reste plus qu'à trouver d'autres méchants pour mes histoires. Que pensez-vous du vilain crapaud baveux, du lombric maléfique, du grand ours griffu ?»« Je trouve ça terrible, vraiment. Merci beaucoup, madame. » Je crois que je vais organiser une petite fête chez moi avec mes nouveaux amis. Des amis qui vont m'aimer parce que je serai gentille avec eux. Bon, c'est pas tout ça, mais il est tard, non ? Oh oui, reconnut l'auteur. On a bien bossé. Tout ça m'a donné faim. On mange ? Pas nous, pas nous ! Font les lapins. Bien sûr que non, je ne vais pas vous manger. Je suis gentil maintenant et vous êtes trop mignon. Mais alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ? Aussitôt, le loup se jeta sur l'auteur et la dévora toute crue, avec ses pantoufles et tout. En sortant, le loup fut assailli par les autres méchants. Alors ? Eh ben, c'était une très bonne auteure. Je l'ai bien aimée. Et j'ai trouvé cette histoire délicieuse. Mon histoire est terminée.